Du coup, là, tu vas demander des prix de fou si tu mets des sièges massants. Et dans une des pièces du coin, où est-ce? Une des sorties du Ideon. Eh bien, il y a une petite section musée. Voilà, là. Donc, ils ont gardé une partie du bâtiment administratif qui a été quand même profondément rénové. Et donc, ici, vous avez un petit mémorial à l'origine. Donc, bonjour Zen! Et donc voilà à quoi ressemblait l'école à l'origine. Alors c'est une peinture, hein, c'est pas une photo. C'est pour ça que la perspective est un peu chelou. Pourquoi j'ai une image aussi déformée, ça par contre? Dans ma lens, elle est là. Voilà, ok. J'ai du délai. Voilà. Donc moi j'ai connu les zones, j'ai connu le bâtiment après sa fermeture, qui traînait derrière. Je ne crois pas avoir connu d'élèves ici. On va dire que j'ai pas fait gaffe les premières années non plus. Non. Alors, point de vue décoration intérieure, etc., ça me fait tellement penser aux établissements catholiques où j'étais en France, quoi. C'est un 93 ici. La photo du haut, c'est années 80, années 90. Est-ce que je suis capable de lire la timeline? Après, ça a un coup d'être un petit peu teubé et de ne pas savoir lire. Donc l'histoire commence en 1883, Meiji. Alors ça correspond pas ça les enfants. Voilà. Meiji Loku, c'est pas 1883. Ce sont enfin, je sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais le truc d'en haut, le datage du haut, il semble nous dire que Meiji 6 c'est 1883 et Meiji 33 c'est 1900. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas la même différence entre 83 et 900 que entre 6 et 33. C'est quand même mon pauvre établissement catholique. Et donc la date finale, elle est sur Heisei 23. Et Heisei 23, c'est 2000 quelque chose, non? Heisei, ça commence en 89. Donc 89 et 23, 92, ça fait 2012. C'est la dernière considération, mais je pense que la fermeture, elle est en 19 en fait.
Bon, donc oui, j'ai pas du tout connu l'occupation, c'est sûr, quoi, du coup. Franchement, tu me parles japonais. Lol, 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 mort de rire, lol, lol. Allez, on rentre dans... On rentre dans l'idiome. Histoire de rigoler. Elle est où, là? Leur pédale où on voit pas comment elle est, c'est bon. Il y a un Starbucks là derrière. Je cherche donc du matos. Il y a Anker, il y a le gros stand Anker qui est vachement bien. Mais je cherche des accessoires pour appareil photo et caméra. Et donc. Et donc, il y a des micros Audio Technica, il y a des trucs pour faire de la vidéo conf. Il y a du tripod avec prise jack, truc pour poser sur les vitres, petit bras plastique pas mal pour poser sur le bureau. Un ou deux accessoires pas dégueu, mais il y a du selfie stick et du selfie stick. Selfie stick Coleman, c'est d'accord. Après, là, par exemple, la lumière, ça peut être cool, ça, si elle est assez puissante. C'est pas dégueu, ça, comme truc, tiens. 8000 yens, ouais, c'est pas. Un bras articulé, bras avec truc selfie. Un machin. J'aime pas trop Idion en fait. Il y a un ou deux trucs qui sont super cool à Idion. Mais. C'est un magasin qui est un peu trop foutoir pour moi. Oh, on a plein de masques, cool. Non. On va aller à l'étage pour voir. On en est où sur la connexion? Moi je me vois toujours. Quel affaire qui monte, qui est là. Nous, on doit aller vers le coin. Il y a le Lamen Park tout en haut, je suis jamais allé en coin. S'il y a quelque chose, c'est au deuxième étage. Sinon, on a fait le tour. Et la connexion, pour le moment, ça va, hein. Là, on est à l'étage Pasokan, Apple, eSport, Robot, Drone et Didi Kame. Alors, je cherche l'espace GoPro. Je cherche l'espace GoPro. Wi-Fi, machin truc. Il y a les drones. C'est un GoPro. Alors, du côté matos GoPro, est-ce qu'ils ont des attaches? Est-ce qu'ils ont des attaches qui sont intéressantes? J'ai la pince comme ça, mais c'est pas ça qui.
Si je pouvais faire un système à base de GoPro, ce serait cool. Mais... C'est la chest plate là. C'est exactement celle que j'ai. Hein. Donc c'est le truc dessus, c'est la patte en fait qui m'intéresse. Truc de poignet, je pense pas que je puisse l'adapter sur une bretelle de sac.